On va passer maintenant à la découverte du son. Donc, je remets juste un petit peu l'ordinateur. Voilà. Super. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par vous faire des petites devinettes. Je vous laisse toujours un petit temps pour répondre. Et je vais écrire en dessous. Voilà. Vous êtes prêts? On s'assoit autour pour manger. Je l'écris. Oui, c'était la table. On en fait des pâtés et des châteaux sur la plage. Je pense que tu as trouvé. Le sable. Ces grains écrasés donnent la farine. Eh oui, le blé. C'est la fenêtre d'un bateau. Un peu plus dur. Cela s'appelle le hublot. Et le petit dernier. Il est rouge avec une queue pointue. Et il vit en enfer. Bravo, c'était le diable. Je répète les mots. La table, le sable, le blé, le hublot, le diable. Regardez bien ces mots. Il y a un point commun. Le point commun de tous ces mots, c'est que on retrouve dans tous les mots le B suivi d'un L, comme dans table, pardon, oula, pardon, je recommence. Donc je disais comme dans table, si ça marche, sable, il y a bien le B et le L. Le blé, le B et le L. Le hublot, le B et le L. Et le diable, il y a aussi le B et le L. Donc, quand on regarde tous les mots, on retrouve le B et le L. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien, oui, c'est comme le son que nous avons vu précédemment, sauf que cette fois, c'était associé avec le son R. Et là, c'est associé avec le son L, donc avec le L. Et eh bien voilà pour la découverte du nouveau son. Et maintenant.